j'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Messieurs, jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par monsieur le cardinal de Mazarin. Maintenant qu'il est mort, il est temps que je les gouverne moi-même. Quant à vous, monsieur Fouquet, je vous prierai de ne pas oublier monsieur Colbert, en qui j'ai une entière confiance. Le roi a parlé, monsieur Colbert, dites-moi tout. En effet, le roi a parlé, et fort bien. Il vient de dire qu'il avait une entière confiance en moi. Bon, monsieur Colbert, vous êtes un homme comblé. En effet, je suis comblé, car nous avons désormais à la tête du royaume un grand monarque. Et moi, j'ai l'honneur de servir le grand serviteur d'un grand monarque. En effet, Marche Noire, en effet. Mais ne perdons pas de temps, j'ai à vous parler de votre ami Fouquet. Mon ami Fouquet. Oh, monsieur Colbert est drôle. Trop drôle. En effet, je suis drôle. Stupide. Tu sais bien que je suis très mauvais à la dague. Encore un petit effort, couillard. Nous sommes des espions en état d'alerte et on doit s'entraîner jour et nuit. Allez, un, deux... Et en plus, je crois que ma vue baisse. Et trois. Le chassieux, tout ça pour me ridiculiser, hein? À vous. Eh bien, j'avoue. Ah, tu l'avoues? Eh bien, ça se passera pas comme ça. J'ai complètement fou, tu aurais pu me tuer là. Ce sont les risques du métier. État d'alerte, entraînement jour et nuit. À l'attaque! Allez, défends-toi, entraînement jour et nuit. Une leçon d'escrime, tu y tiens vraiment. Et toi, tu veux une correction? Ouh! Oh,
ridicule. Ça suffit maintenant. Non, je ne suffis pas. On s'entraîne. Hein? Et maintenant, passons à l'action. Sombre crétin, qu'est-ce que vous avez encore fait? On jouait à s'entraîner, et puis avec mon pistolet, le coup est parti tout seul sur une bombe, alors ça fait boum. Boum, pauvre cloche. C'est un vrai danger public, oui. Je vais balayer. Assez perdu de temps. Voici les ordres de Colbert. 38. Comment ça, 38? Depuis ce matin, j'ai compté, vous avez dit 38 fois en effet. C'est en effet possible, en effet. 40. Remarquez, c'est normal, Colbert dit toujours en effet. Moi, à votre place... Tu te tais, imbécile. Tu n'es pas à ma place. En effet. Premièrement, surveillez Fouquet. Je veux un rapport heure par heure. Le chasse-queue, tu t'en occupes. Deuxièmement, surveillez toutes les relations suspectes de Fouquet. Pouillard, tu t'en charges. Y compris Molière et sa troupe? En effet. 41. 41, en effet, le chassieux. J'ai gagné mon pari. Voilà ce que tu vas gagner, imbécile. J'ai rien dit, promis, juré, craché. Soit, mais je tiens sans cesse qu'il nous faut en riant instruire la jeunesse. Ma foi, faire rimer sans cesse avec jeunesse est amusant. Oui, mais entrez donc. Armand, mon bel amour, assieds-toi. Il faut à tout prix que j'achève cette tirade. Ah, où en étais-je? Ah oui, douceur, grande douceur. Armand, mon bel amour, assieds-toi, tais-toi. Monsieur de Molière écrit l'école des maris. Il ne faut surtout point le déranger. Armand, je t'en supplie, je suis en train de travailler sur une partie très compliquée. Cette comédie fera sûrement un triomphe. Hélas, pas le moindre petit rôle pour la petite Armande, rien. Aucun rôle? Mais en ce moment même, j'écris une scène où je parle de nous. Artiste et amoureux fou de Léonore. Malheureusement, 20 années les séparent. Elle aime les belles compagnies, tous les plaisirs, les bals, les comédies. Comme je la comprends. Mais Léonore, c'est toi. Pour moi? Mais je voulais seulement te demander de m'accompagner en promenade au Pont Neuf. On irait voir les marionnettes, on mangerait des gaufres et de la bonne confiture. Demain, si j'ai terminé ma scène. Hein? Demain, encore demain, il fera beau demain. Mais oui, Armand. Et pour qu'il fasse encore plus beau, sois patiente. Eh bien non, Jean-Baptiste, j'en ai assez d'être patiente. Alors adieu. Oui, adieu. Apprenons. Je tiens sans cesse qu'il nous faut en riant instruire la jeunesse. Non, non, c'est très mauvais. Vraiment, j'ai pas envie de rire. C'est la soupe pour notre grand comédien? Oui, il paraît qu'il n'a rien mangé depuis hier. Oh, le pauvre. Et moi qui l'invitais à manger des gaufres. Mais c'est qu'il n'a pas le temps. Il écrit l'école des maris. Je sais, Quentin, je sais. Écoute, tu vas venir avec moi, j'ai une lettre pour lui. Une lettre? Mais et la soupe? Elle est toute chaude. Eh bien, elle sera froide. Rapport du 18 avril 1661. Molière n'est pas sorti de sa maison depuis 3 jours. Que fait-il? Tiens, tiens, la petite amie de Molière. Voyons ce qu'elle mijote. Là, mais discrètement. À
À ces jeunes désirs, j'ai toujours consenti. Évidemment, Armande me dirait le contraire. Mais après tout, j'écris pour le théâtre. Quoi encore? Entrez! Je suis désolé, mais la soupe est froide. Froide? Quentin, vraiment, tu exagères. Mais ce n'est pas ma faute. Armande a pris tout son temps pour écrire sa lettre. Mais quelle lettre? Elle avait l'air très énervée. Et moi aussi, du coup, ça m'énerve. Jean-Baptiste, puisque tu passes ta vie à travailler, que tu ne veux toujours pas me faire jouer dans tes pièces, je préfère te quitter. Je pars très loin, le plus loin possible de ce monstre que je continue d'aimer, Armande. Qu'en penses-tu, Quentin? Je crois qu'il s'agit d'un peu d'humeur et de beaucoup de comédie. Non, mais c'est qu'elle est capable de dormir sous un pont rien que pour me tourmenter. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai demandé à Cachou de la surveiller. Allez, Espèce d'ivrogne! Tu ne peux pas faire attention? Place au marquis de Rochemouillé! Place à la police du roi! Il est inutile de crier si fort, imbécile! On va se faire repérer! On était dans la rue avant toi! Allez, arrière, arrière! Je te ferai pendre au gibet de mon faucon! Et moi, je te ferai avaler ta moustache! Allez, arrière, j'ai dit! Allez, la police, en avant! En arrière, en avant! En arrière! Mais c'est Pouillard! Oui! Et vous? Comment allez-vous? Fort bien, mais vous? Je vous trouve verdâtre, c'est le mal de mer? Allez, adieu, mon ami. Je vous laisse à votre triste sort. Hé, la Pacifique! Reviens ici tout de suite! Fichez-moi la paix! Quand on me cherche, on me trouve! Attention à foutre! J'avais dit attention! Attention aux ordures! Ah, elle a réussi son coup. Je n'ai plus d'inspiration. Entrez. C'est toi. Je croyais que c'était... Armande? Non, je n'ai pas de nouvelles. Cachou n'est pas rentré. Ah, je lui réserve une de ses fessées. Elle s'en souviendra. Ah, Quentin, méfie-toi de l'amour. Regarde, je ne peux plus écrire une seule phrase. Merci, ma belle, et bon appétit. Gaufre à la confiture, les meilleurs de Paris. Et limonade à l'italienne, approchez, venez goûter! Tiens, droit, voleur de confiture, tu sais ce que ça mérite? Coffret! Venez voir les marionnettes fameuses du sieur Briochet. Entrez. Encore vous? Je savais bien où je te retrouverais. Allez, suis-moi, j'ai des questions à te poser. Aïe, tu n'iras pas bien loin. Vous non plus. Arrêtez-la!
En état d'arrestation, je la mets au secret. Cette fille, je suis Armande Béjart, de la troupe de Monsieur de Molière, que protège Monsieur Frère du Roi. Capitaine, vous allez avoir de sérieux ennuis. Ah bon? Ne l'écoutez pas, c'est une espionne qui raconte n'importe quoi. Je vais d'ailleurs l'interroger immédiatement. Vous allez perdre vos galons, capitaine. Le roi va se fâcher. Ah bon? Non mais qui commande ici, capitaine? Faites doubler la garde. À vos ordres. Mais monsieur Molière, vous ne mangez donc rien? Non, merci, mon bon Ragnaud. Je n'ai pas faim. Madeleine, alors, tu as des nouvelles? Hélas, non. Ma chère petite sœur est introuvable. Venez manger de ce bon pot-au-feu et ne restez donc pas le ventre creux. Ragnaud, poète et cuisinier, quel goût exquis. Ah, la grange! Armande était cet après-midi au Pont-Neuf, où elle a assommé Pouillard avec un pot de confiture. Elle est vraiment devenue folle. Et puis? Et puis Pouillard l'a embarqué, Dieu sait. Il l'a enlevé, oui. Mais pourquoi enlever? Pour faire le malin. Je commence à le connaître. Il cherchera à la faire parler, à lui faire avouer n'importe quoi. Un fantôme. Et chez moi, jamais le diable ne doit s'asseoir à table. Chou. Un pauvre diable, oui. Oh, mon Cachou, tu as l'air épuisé. Tu sais où se trouve Armande? Oh, bravo, Cachou! Bien une fois de Cyrano, après ce bon repas, il me faut digérer. Et pour digérer, rien ne vaut l'action. Je vous accompagne. Non, non, ami, chacun son métier. Allez, Quentin, en route! Nous allons de ce pas chercher quelques-uns de mes canets de Gascogne. Morlius, à la rescousse! Je t'interdis de dormir! Je vous répète que je n'ai rien à vous dire, j'ai sommeil. Mais si tu ne me dis rien, qu'est-ce que je vais mettre dans mon rapport, hein? Marche Noire m'a demandé un rapport heure par heure. Vous n'avez qu'à écrire que vous êtes le roi des idiots. J'en ai assez. Et puis qu'est-ce qu'elles ont toutes ces mouches? Elles aiment la confiture. Assez les mouches! Remarquez, si vous n'aimez pas les mouches, vous n'avez qu'à vous laver. Tais-toi, je n'aime pas me laver. Alors, vous aimez les mouches? Reprenons. Quand Molière a-t-il vu Fouquet pour la dernière fois? Les mouches, ça pond des œufs partout, c'est dégoûtant. Et tu vas te taire avec ces mouches? Je me tais. Non, tu dois parler. Je parle ou je me tais? Halte là! On passe pas! Et si Molière passe? On passe! Tout va bien, monsieur Pouillard? Tout va bien. L'espionne est sur le point d'avouer. Et pour vous, capitaine, tout va bien? Ah oui, vraiment, rien à signaler. Halte là, on passe pas! Ah, c'est militaire, de vrais mécaniques. Morlius!
rescapé du guillou. Oh! 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 Allez, venez, rendez-vous, c'est l'heure! Loin sur la cavalerie ennemie! Feu! Qui vient me délivrer. Le roi, tu en es sûr? Enfin, un garde pour s'amuser un peu. Ouvrez! Je vous dis que c'est le roi. Tout de suite, votre Altesse. Je vous ouvre, je vous ouvre. Quand? Dommage, j'aurais bien aimé que ce fût le roi. Ah, mon pauvre ami, dans cette affaire, vous allez tout perdre. Votre grade, votre honneur et votre solde. Cessez le combat! Parler d'une attaque qui a ridiculisé la troupe. En effet. Arrête de dire en effet, Pouillat. Tu es consigné pendant un mois au pain sec et à l'eau. Gaufre à la confiture, les meilleurs de Paris et limonade à l'italienne. Approchez, venez goûter. Ah non, affichez Malcan, surtout pas elle. Ah mais si, mon ami, parce que je vous achète toutes vos gaufres et toutes vos confitures. Marché conclu? Ah, en ce cas, monseigneur, servez-vous. Vous êtes ici, chez vous. Alors, mes enfants, à l'attaque. Je sens que je retrouve l'inspiration. Oh non! Tu ne veux pas te remettre à écrire. Maintenant, on va voir les marionnettes. Mange, mon petit singe. Mange, tout est payé. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un paladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses paladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis polichinelle couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est d'art.
d'air, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo.